prendre la parole dans Ésaïe chapitre 8. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 8, on va lire à partir du verset 14. Quelqu'un va nous aider pour la lecture. On peut même commencer à partir du verset 13. Ésaïe 8, verset 13. C'est Yahweh des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un fidet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Alors, voyez ce passage-là, notamment le verset 14. On nous apprend ici, mes frères et sœurs, que Yahweh sera non seulement un sanctuaire, mais il sera également une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour Israël. Alors, je ne comprends pas ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Yahweh. Je ne comprends pas. Ces deux passages-là, mes amis, nous apprennent carrément que Yeshua est bel et bien Yahweh. Donc, si Jésus est Yahweh, alors il est forcément le Père. Il n'y a pas de... Je ne comprends pas les trinitaires qui disent qu'il y a trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et en même temps, ils vont dire que Jésus est Dieu lui-même. Mais si Jésus est Dieu lui-même, et étant donné qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que ce Dieu est Père, donc la déduction est facile à faire. Donc Jésus est le Père. Voilà. Mais pourquoi se tortiller l'esprit? Pourquoi se compliquer la vie alors que les Écritures sont claires là-dessus? Donc, quelqu'un va nous relire encore ce passage-là, si c'est possible. Surtout le verset. Donc, les deux versets. Hein, donc, pour ne pas que l'on dise que c'est dans sa Bible seulement qu'il y a ce passage-là. On peut prendre même une autre version, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, prenons-nous la Martin, l'Osterwald, voilà. Donc, qu'on vérifie dans d'autres Bibles. Hein, voilà. Voilà. Donc, quelqu'un a trouvé, quelqu'un a le micro. La version Martin. OK. Sanctifiez l'Éternel des armées, lui-même. Et qu'il soit votre crainte et votre épouvantement. Alors verset 14. Et il sera pour sanctuaire, mais il sera une pierre d'achoppement, un rocher de trébuchement aux deux maisons d'Israël, en piège, en filet et aux habitants de Jérusalem. Donc il sera un sanctuaire. Vous voyez, c'est la même chose. Hein, voilà, donc la version de Osterwald dit quoi? C'est quelqu'un là? Yahweh, qui est Jésus-Christ. Voilà, donc vous savez qu'il est notre raison de vivre. Si nous sommes chrétiens, c'est grâce à lui. Si nous existons, c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui nous a créés. Et il est important de connaître son Dieu. Qui est Dieu, justement? Alors, Osterwald, sanctifiez l'Éternel des armées, que lui soit votre crainte et votre frayeur. C'est 14. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement et une pierre de chute pour les deux maisons d'Israël, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Ouais, toutes les versions, si vous lisez, vous verrez que toutes les versions attestent bel et bien que Yahweh est la pierre d'achoppement. Il est le rocher de scandale. Ce n'est pas, mes amis, quelque chose qui a été inventé. Bien sûr, le prophète Ésaïe l'a reçu au 8e siècle avant la naissance de Jésus-Christ. Et on nous dit que Yahweh est le rocher de scandale. Il n'y en a qu'un de rocher de scandale. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux. C'est Yahweh, on nous dit. Allons voir ce que Pierre dit, justement. Dans 1 Pierre chapitre 2, nous lirons à partir du verset, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Je lis la parole. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, de toute fraude, de dissimulation, d'envie et de toute médisance, désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables
à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion la pierre principale de l'angle, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. » Mais par rapport aux rebelles, il est dit, « La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Ah ! On continue, hein ? Ils se heurtent contre la parole et sont rebelles, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Attendez, attendez. Pierre, l'apôtre de l'agneau, n'a pas eu de difficulté pour identifier la pierre en question, dont il est question notamment dans Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 14, hein, donc 13, pardon, 13 et 14. Et Pierre reconnaît que Yeshua est bel et bien Yahweh, le rocher de scandale. Et, mes amis, il n'y a pas deux pierres de scandale. Il n'y en a qu'une. Et Pierre dit que c'est cette pierre-là que les bâtisseurs ont rejetée. Et, mes amis, alors, vous savez, rien que ces deux versets-là, 1 Pierre 2, 5 à 8, et Ésaïe 8, 13 à 14, rien que ces deux passages, mes amis, attestent catégoriquement, clairement et définitivement que Yahweh est Jésus, Jésus est Yahweh. Voilà. Donc, et on va voir justement cette pierre d'achoppement, comment elle a vécu, hein, comment elle a été reçue également des autres, et comment elle a été reçue par les autres. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15, verset 12. Quelqu'un l'a trouvé ? Matthieu 15, 12, donc dès que quelqu'un l'a trouvé, il pourra nous faire la lecture. Matthieu 15, au verset 12. « Sur cela, les disciples s'approchant lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours ?» Et il répondit et dit, « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. » Voilà. Donc là, on nous dit que les pharisiens étaient scandalisés par les propos du Seigneur, par son enseignement, mes amis. Donc, il y a quelques jours, je disais au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi à chaque fois on a des scandales ici et là dans ce que tu nous demandes à faire? Et le Seigneur m'a donné ce passage-là et il m'a fait comprendre, hein, il m'a dit clairement, si tu es bâti sur un rocher qui provoque les scandales, donc ne te tonne pas que tu sois tout le temps dans les scandales. Donc qu'il y ait le scandale dans ta vie, dans ce que tu dis, que les gens soient scandalisés, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, ça prouve qu'il y a la vie, parce que c'est quoi la religion? L'image que Dieu m'a donnée par rapport à la religion, en fait, c'est un lac. Vous voyez? Ça ne bouge pas. C'est la mort, ce n'est pas la vie. Et par contre, la relation avec le Seigneur, c'est le contraire de la religion. La relation avec le Seigneur est comparée à un fleuve, à une rivière. Vous voyez, il y a de la vie, il y a des courants, ça bouge. Vous voyez, et c'est vraiment ça, quoi. Donc, vous ne pouvez pas avoir de scandale dans un lac, c'est calme, voilà, ça ne bouge pas. Mais par contre, quand vous voyez un fleuve, une rivière, il y a des courants, ça bouge. Quand vous jetez quelque chose dessus, eh ben, ça peut, ça le promène, ça le secoue. Mais par contre, sur un lac, ça ne bouge pas, c'est calme. Donc c'est un peu ça. Donc ce soir, je voudrais dire aux chrétiens qui aiment la vérité et qui se disent, Seigneur, mais comment ça se fait qu'à chaque fois que nous ouvrons la bouche pour parler de ta part, il y a des problèmes, il y a des scandales, et les gens nous jettent des pierres, les gens nous traitent de tous les noms, sorciers, magiciens. C'est normal, parce que vous êtes fondés sur une pierre de scandale. Jusqu'à la fin de votre vie, vous serez, mes amis, en plein scandale. Vous aurez des scandales, vous serez un sujet de moquerie, des chants, de critiques. C'est normal. Voilà. Donc, j'espère que ça vous encourage ce soir, mes amis. Et, donc, c'est normal, vous savez, voilà pourquoi lorsqu'une personne se convertit, eh ben, aussitôt, alors qu'elle n'a rien fait, hein, elle n'a fait que donner sa vie au Seigneur, ou plutôt, je dirais que Dieu n'a fait que la sauver, et aussitôt, les problèmes commencent même dans son propre foyer. Même au sein de sa famille, ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs, ses voisins.
le pays dans lequel la personne vit. Voilà. Donc, il y en a qui se disent, mais pourquoi ce monsieur a tout le temps, autour de lui, a tout le temps des scandales, c'est pas normal, tout le temps des gens qui partent. Mais c'est biblique, mes amis. C'est biblique. Les pharisiens étaient scandalisés, les chefs religieux étaient scandalisés, bien sûr, parce que pourquoi? Dans leur synagogue, il n'y avait pas de scandale. Même les démons étaient à l'aise. Au point où quand le Seigneur entrait là-dedans, les démons disaient, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Ça veut dire que nous sommes contents d'être ici dans cette synagogue. Et toi, tu viens nous perdre ici. Mais c'est normal, dans les synagogues de Satan. Dans les synagogues de Satan, il n'y a pas de scandale. C'est calme. Bon, quelque temps, on va en parler de la pédophilie, chez les cathos, tout ça, et des pasteurs qui trompent leurs femmes, tout ça. Bon, mais les vrais scandales, mes amis, c'est quand le Seigneur, quand un prophète, quand un enfant de Dieu, quand un chrétien, une femme de Dieu, un homme de Dieu est mandaté par le Seigneur et que les religieux l'attaquent parce qu'ils se disent son message dérange. Voyez ? Et le Seigneur a dit quoi dans Luc 17 ? Regardez bien. Il est impossible qu'il n'arrive de... Luc 17, 1. Quelqu'un peut le lire ? C'est impossible. Pourquoi ? Mais parce qu'il est le rocher de scandale. Donc, comme il est impossible que la parole de Dieu passe, il a dit, hein, donc il est impossible que le scandale ne soit là, n'arrive pas. C'est impossible. Quelqu'un l'a trouvé ? Luc chapitre 17, verset 1er, donc on va aller assez vite. Or, il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Voilà, donc les pharisiens entendent la vérité, ils sont choqués, et forcément, s'ils existaient aujourd'hui, ils allaient faire des sites internet autour de Jésus-Christ. Ils allaient faire des montages vidéo, hein, des coupures. Hein. Vous savez, la fois où cette femme prostituée est venue pleurer au pied du Seigneur, hein, versant sur lui, sur ses pieds, ses larmes, essuyant ses larmes avec ses cheveux. Eh bien, aujourd'hui, les pharisiens qui sont là ce soir, qui sont connectés, qui sont tellement titillés, hein, par la vérité, ils sont obligés de nous suivre de près. Eh bien, s'ils étaient là ce jour-là, s'il y avait Internet ce jour-là, ils allaient faire des montages. Ils allaient prendre cette partie où cette femme a mis sa tête sur les pieds du Seigneur. Vous avez vu, vous avez vu? Voilà. Ça, c'est du tai chi. Oh, Dieu est magnifique, mes amis. Dieu est magnifique. Donc, vous voyez, tout est dans les Écritures. Voilà. Alors, les religieux veulent avoir une vie chrétienne pépère, politiquement correcte. Ils sont à costard et cravate, ils ne veulent pas être bougés, secoués. Hein, voilà pourquoi certains disent, Chora, il faut qu'on lui dise un peu qu'il se calme parce qu'il est trop excité, tout ça. Hein, parce qu'il faut quand même qu'il se calme, parce que Dieu a dit, il ne faut pas, il n'est pas dans cette affaire. Ah bon? Mais vous m'avez trouvé dans plusieurs scandales. Ben, je veux continuer dans ce scandale. Hein, les vrais scandales, c'est-à-dire le fait de dire la vérité, que les religieux soient outrés, soient choqués. Voilà. Il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Donc il y a le scandale qui arrive par rapport à la vérité qui est prêchée. Il y a aussi le scandale qui arrive parce que les gens pêchent, font n'importe quoi. Et bien il y a le témoignage du Seigneur prend un coup. Voilà. Mais je voulais plutôt mettre l'accent sur le fait que Yeshua est bel et bien Yahweh. Hein? Qu'on me dise ce soir que Esaïe 8, 13 et 14 n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Qu'on me dise ça. Parce que Esaïe a dit clairement que Yahweh est la pierre de scandale. Le rocher, n'est-ce pas, d'achoppement. Alors si Esaïe l'a dit, c'est parce qu'il avait compris que Yahweh allait un jour être le fondement de ce sanctuaire. Le fondement, parce que la pierre angulaire en question, c'est la pierre de fondement de l'Église. Donc, Yeshua, qui est la pierre de l'Église, n'est autre que Yahweh lui-même. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous sommes toujours dans les Écritures, 1 Corinthiens 1, 23. Donc si la sœur l'a trouvé, elle va nous faire la lecture. 1 Corinthiens 1, 23. Mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Ah, vous voyez, Paul, donc Pierre a confirmé que Yeshua est bel et bien Yahweh, dont Esaïe a parlé, hein, dans Esaïe 8, Yahweh qui est le rocher de scandale, la pierre d'achoppement, tout ça. Et il n'y a pas que Pierre. Nous avons aussi le témoignage de Paul. Le témoignage de deux personnes a plus d'importance que le témoignage d'une seule personne. Et Paul vient et il dit que eux, les apôtres, eux, les chrétiens, prêchaient Christ crucifié,
scandale pour les Juifs, comme Esaïe l'avait dit, hein, que Yahweh allait être un sujet de scandale pour les deux maisons d'Israël, c'est-à-dire Éphraïm et Juda. D'accord ? Et là, c'est Israël et Juda aussi. Et là, qu'est-ce que Paul dit ? Paul dit le fait de dire que Dieu est devenu homme et qu'il est mort à la croix pour nos péchés en tant qu'homme et non en tant que Dieu, c'est un sujet de scandale pour les Juifs qui ne pouvaient pas s'attendre à ce que le Messie meure. Alors là, mes amis, c'était un scandale même pour les apôtres. Avant que l'Esprit ne vienne, quand le Seigneur dans Matthieu 16, à partir du verset 13, disait aux apôtres qu'il allait mourir, Pierre l'a pris de côté, il a commencé à le reprendre en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, tu ne mourras pas » ou encore « Aie pitié de toi-même, Seigneur, tu ne mourras pas » et Yeshua dira « Arrière de moi, Satan ». Et prêcher la croix est un sujet de scandale. Donc si vous dites, vous les religieux, que non, il y a toujours de scandale, mais c'est normal qu'il y ait toujours de scandale parce que la vérité est prêchée. La sanctification est prêchée, donc c'est normal qu'il y ait de scandale. Mais chez vous, s'il n'y a pas de scandale par rapport à lié à la vérité prêchée, c'est parce que Christ n'y est pas. Voilà. Donc, la parole est claire, mes amis. On aime la vérité, on veut être libéré par cette parole qui nous purifie. Les pharisiens étaient outrés, scandalisés. Et les apôtres vont voir le Seigneur pour lui dire, mais est-ce que tu sais que ces hommes sont complètement scandalisés par rapport à tout ce que tu dis? Pourquoi? Parce que, en fait, Yeshua est le révolutionnaire. Il avait un message, quand il était sur terre, c'est toujours le cas aujourd'hui, un message révolutionnaire qui a révolutionné les choses, le monde. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Et donc, je voudrais vous dire ce soir, mes frères et sœurs, vous êtes mal barrés, vous qui avez donné vos vies, hein, qui avez donné vos vies au Seigneur, vous aurez toujours de scandales. Vous aurez toujours des problèmes. Mais c'est une grâce. Parce que qui sommes-nous pour mériter cela? Nous ne méritons rien du tout. Donc c'est normal que les gens vous traitent de tous les noms, sorciers, magiciens, séducteurs, imposteurs. C'est normal parce que votre vie est basée sur une pierre qui est, n'est-ce pas, la source de scandale dans le monde, dans les églises. Voilà. Et voilà, donc que le Seigneur soit béni pour sa parole, qui nous libère, nous sommes dans Galates 5, 11, le Seigneur qui nous guérit. Voilà, on va aller assez rapidement, s'il vous plaît, de quelqu'un trouver. Galates 5, 11. Quant à moi, mes frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Ah! Le scandale de la croix est donc aboli. Ah! Plaise à Dieu que ceux qui vous troublent soient retranchés. Paul était persécuté, Paul était rejeté, Paul, partout où il allait, provoquait le scandale. Au point où il a été plusieurs fois lapidé. Il a été plusieurs fois, mes amis, il a reçu plusieurs coups, hein, 40 coups moins 1, hein, au moins 5 fois. C'est énorme. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il prêchait la croix. Voilà. Il prêchait que Jésus est Dieu. Il prêchait la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le fait que nous proclamions haut et fort que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est le Père, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, il y a le scandale partout. Voilà. Donc, on est catalogué de tous les noms. Parce qu'on dit que Dieu est un. Dieu n'est pas trois personnes en une personne. Ce n'est pas écrit dans les Écritures. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui dit qu'il y a trois personnes en Dieu. D'ailleurs, le mot personne n'existait pas par rapport à Dieu. Non. Dieu est plus qu'une personne. Voyez. Et le Saint-Esprit, c'est son esprit. C'est écrit. C'est son esprit. Vous ne pouvez pas prendre l'esprit de quelqu'un et mes amis, le séparer de la personne, de l'individu, de l'être, de la personne et créer une autre personne. Non, c'est son esprit. Et on l'appelle aussi l'esprit de Jésus. Donc il ne peut pas y avoir un esprit pour le Père et un autre esprit pour Jésus. Donc il est l'esprit du Père, c'est écrit. Il est l'esprit de Dieu, c'est écrit. Il est l'esprit du Fils, c'est écrit. Il est l'esprit de Jésus, c'est écrit. Donc c'est l'esprit de Dieu. Donc Jésus est Dieu. Donc Jésus est Yahweh. Donc Jésus est le Père. Voilà mes amis. D'ailleurs, il a dit, hein, il appelait les apôtres comment? Mes enfants, mes amis, mes enfants. Alors, attendez,
Alors que physiquement, d'après l'histoire, hein, il était physiquement, il était Pierre était plus âgé que lui. Mais il les appelle mes enfants. Voilà. Thomas lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas vu. Il n'a pas dit, tu ne l'as pas vu, mais tu ne m'as pas vu. Attendez, mes amis, hein, c'est clair. Vous savez, il est important, mes amis, de connaître Dieu. Qui est Dieu? C'est salutaire. Qui est Dieu? La connaissance de Dieu est plus importante, mes amis, que toutes les autres connaissances. On peut connaître les hommes. On peut connaître une assemblée locale. On peut connaître un prophète, un apôtre. C'est bien, mais connaître Dieu, c'est mieux. Parce que c'est salutaire. Et Dieu dit, mon peuple me connaîtra. Oh, j'aime bien cette parole. Mon peuple me connaîtra et il saura en ce jour-là que je suis. Donc, Dieu veut se révéler à son peuple et nous sommes dans un temps où il nous faut avoir, mes amis, l'illumination de Dieu. Qui est Dieu? Qui est Yeshua? Et qu'est-ce qu'il est venu véritablement accomplir sur terre? Voilà, que Dieu, mes amis, nous garde. Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Donc, je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose à partager. Voilà, vous avez compris que Yahweh est Jésus, Jésus est Yahweh. Hein? Voilà, gloire à Dieu. Ah, tu peux, la caméra est là devant toi. Au fait, ben, hier, j'étais en train d'expliquer ce fait que ben, Jésus, c'est Dieu et qu'il n'y a pas... Ben, il n'est pas trois personnes, c'est pas comme les shampoings Watch and Go. Enfin, il n'y a pas trois en un, quoi. Enfin, c'est vraiment une personne. Et ben, en plus, il n'est pas qu'une. Enfin, c'est pas une personne, quoi. Enfin, on peut pas quantifier Dieu comme ça. Dieu est tout. Il est l'agneau, la porte. Il est l'eau. Il est tout, au fait. Il est tout ce dont on a besoin. Mm-hmm. Et au fait, à lui est toute chose. Enfin, et je disais, ben, à la personne avec qui je parlais, ben qui c'est qui t'a sauvé? C'est Jésus. Mais la parole nous dit qu'un sauveur viendrait, qu'on l'appellerait Père d'éternité, enfin, qu'on l'appellerait Prince de paix. Il est Père, en même temps il est Prince, en même temps il est enfant. Attends, enfin, on peut pas ne pas dire que Jésus c'est Dieu, quoi. Enfin, et je sais que bah, il faut la révélation, en fait. Parce que souvent, on a tellement été endoctriné dans des religions que pour que ça sorte, là, il faut que Jésus vienne. C'est ça. Tous ensemble, nous sommes nés dedans. Hein. Hein, donc nous avons trouvé cette doctrine de la Trinité là, qui était là, qui est là depuis bien avant notre naissance, depuis même le deuxième siècle. Hein. Donc c'est pas forcément évident. Et donc là, quand on lit ce passage-là, mes amis, d'Ésaïe 8, 13 à 14 et 1 Pierre 2, 1 à 8, on comprend vraiment que, mes amis, la parole est vraie, la parole est digne de confiance parce que Ésaïe présente la pierre angulaire, la pierre de fondement. Et voilà, Ésaïe nous présente Yahweh comme étant la pierre angulaire. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, Pierre vient plus de 800 ans après et il nous dit que, ben, en fait, Yeshua, c'est lui, Yahweh. C'est lui, cette pierre de scandale. Et le nom de Yeshua signifie quoi? Yahweh est salut. Donc, ça veut dire que quand Ésaïe dit que Yahweh, c'est-à-dire le tétragramme, les quatre lettres, Yod, la lettre E, la lettre Wav et la lettre E, les quatre lettres, et quand Ésaïe dit que les quatre lettres Yahweh, donc E, la pierre angulaire, Pierre qui vient et qui dit Yeshua, c'est-à-dire les quatre lettres E, salut, c'est lui, la pierre angulaire, en fait, c'est le même être, c'est le même sauveur, c'est le même Dieu. Donc, il ne peut pas y avoir, mes amis, deux pierres d'achoppement, il ne peut pas y avoir deux portes, il n'y en a qu'une. Qui mène au ciel et l'autre amène conduit à la destruction, à la perdition. Donc, voyez bien que mes amis, Jésus-Christ est bel et bien le Dieu tout-puissant que nous devons adorer, servir, craindre et aimer. Voilà. Et il y a un autre passage de Pierre qui me touche énormément. Et dans 1 Pierre, toujours 2, hein, je crois, et, il dit que si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Et Pierre a eu vraiment il nous a vraiment, grâce au Seigneur, hein, il avait une grâce assez particulière. Il nous a révélé aussi la personne du Seigneur. Et voilà, nous sommes dans 1 Pierre 2, 3. Si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Alors je vous pose la question, de quel Seigneur parle-t-on ici? Elliot. Jésus. Jésus. Nous sommes d'accord? Pierre nous dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon,
continue à marcher dans la foi, dans la crainte de Dieu. En fait, en gros, c'est ça. Continue à boire le lait spirituel hein, par rapport au contexte. Donc, Pierre nous enseigne qu'on peut goûter le Seigneur. On peut le goûter. Amen. Hein? On peut le goûter. Et il a dit dans Jean 6, mangez-moi, mangez ma chair. Donc, on peut le goûter. En fait, Pierre n'a fait que prendre le passage cité ou récité, hein, le passage de Psaume, hein, le chapitre 34 au verset 9. On peut le lire. Et nous allons voir qui est ce Seigneur-là qu'il faut goûter. On sait que c'est Jésus, mais qu'est-ce que le psalmiste disait à son époque? Alors, Psaume 34, verset 9, « Goûtez et voyez combien Yahweh est bon. » Ah! Donc, le psalmiste nous dit qu'il faut goûter Yahweh. Amen. Amen. Oh! Vous comprenez pourquoi nous sommes invités à la table du Seigneur? Amen. Ben pourquoi? Pour manger le Seigneur, pour goûter le Seigneur. Manger le pain. D'ailleurs, Paul le dit, non? Hein, le pain que nous rompons. Voilà, donc c'est... Mes amis, est-ce que vous réalisez ici? Vous réalisez que avant la naissance de Yeshua, les prophètes parlaient de Yahweh. Parce que c'est la révélation qu'ils avaient. Yahweh était le nom de Dieu, à l'époque, hein, le plus cité, le plus révélé. Plus de 6500 mentions, occurrences du nom de Yahweh dans les écrits hébraïques, notamment ce qu'on appelle le Tanakh, la loi, les prophètes et les écrits. C'est le nom le plus cité. Et le psalmiste dit ici que goûtez le Seigneur, goûtez au Seigneur, c'est-à-dire goûtez, littéralement goûtez Yahweh. Et Pierre vient et il a compris, parce qu'il aurait pu citer ce passage-là littéralement, mais en fait, il a, à la place de Yahweh, il a mis Seigneur. Pourquoi? Parce que pour Pierre, pour les apôtres, Jésus, c'est Yahweh. Il n'avait aucun doute là-dessus. C'est nous qui avons eu des soucis avec les pères de l'Église qui sont venus avec la Trinité, nous mélanger. Mais pour les apôtres, Jésus était Yahweh. C'est pour cela que ces passages-là étaient attribués à Jésus. Le passage de la pierre angulaire d'Ésaïe 8, Pierre nous dit que c'est Jésus. Paul nous dit, c'est Jésus. Donc, quand l'Esprit est venu, l'Esprit a enlevé le voile qui était sur eux et ils ont eu la révélation sur Yeshua. C'est pour ça que le dernier livre de la Bible commence par révélation de Jésus-Christ. Littéralement, le voile est enlevé sur Jésus pour que nous comprenions qui il est. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ah, ça c'est magnifique. Hein? Donc, ce passage-là, mes amis, ça veut dire qu'on peut goûter à Yahweh. En fait, quand on goûte le pain de vie, on goûte à Yahweh. C'est pour cela, dans les écrits de la Nouvelle Alliance, il n'y a plus le nom de Yahweh, mais c'est le nom le plus élevé qui est révélé. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Voilà, donc vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez et pour témoigner la gloire du Seigneur. Et Yeshua, la pierre angulaire. Yeshua, c'est Yahweh qui est la pierre angulaire. Yahweh, c'est Yeshua qui est la pierre angulaire. Vous voyez, il y a un livre qui va sortir là, sous peu, sur la révélation, hein, donc Christ, mystère révélé. Et là, ben, on a fait plusieurs comparaisons, plusieurs analogies entre les écrits d'avant la grâce et les écrits de la grâce pour vous montrer que Yeshua, notre Dieu, et bel et bien Yahweh. C'est Yahweh. D'ailleurs, ce nom signifie Yahweh et Sauveur. On a juste rajouté, mis devant Yahweh Sauveur. C'est tout. Donc, Yeshua est bel et bien Yahweh incarné. Dieu manifesté en chair. Et s'il y a trois personnes en Dieu, alors je vous dirai, vous les Trinitaires, laquelle de trois personnes s'est manifestée en chair? Parce qu'on nous dit que Dieu, hein, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, s'il y en a trois, hein, alors dites-nous maintenant, laquelle de personnes? Hein, et là, il y a un souci, là. Hein? Et Colossiens 2 nous dit quoi? En lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, s'il y avait une autre divinité quelque part, alors, mes amis, ça poserait un problème parce que Paul nous dit que toute la divinité est en Christ. Alors dites-moi. Mais c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela le message, le,
le message que nous proclamons, le message le plus important que Dieu nous a confié, c'est Yeshua. Révéler Yeshua aux hommes. Parler de Yeshua. Et quand on parle de Yeshua, on commence par la croix. C'est quoi la croix? La croix, la rédemption, le salut, la foi, mes amis, la prédestination, mes amis, alléluia, la délivrance. C'est tout ça, là, mes amis, Yeshua. C'est tout, il y a plein de choses à dire. Ne nous parlez pas d'argent matin, midi, soir. Ce n'est pas ça l'évangile. Présentez-nous celui qui nous sauve. Présentez-nous celui qui nous a fiancés. C'est tout ça. Moi, je ne sais pas. Quel est ce... Si Jésus n'est pas lui-même le Père, le Dieu Tout-Puissant, alors non, ça poserait un problème. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup de fonctions pour quelqu'un qui ne serait pas le Tout-Puissant. Le chemin, la vérité, la vie, le fleuve de vie, le feu de vie, le feu, hein, l'agneau, le lion, le roi des rois. On nous dit qu'il est le roi des rois. Maintenant, si ce n'est pas lui le Père, parce que le Père aussi est présenté comme le roi. Yahweh est présenté comme le roi. Bon, mais il y a un autre passage, mes amis. Il y a un autre passage, parce que là, il y a l'onction sur moi. Là. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a un autre passage. Là. Je crois qu'il y a une personne en ligne là, qu'on va prendre tout à l'heure. Mais laissez-moi, mes amis, donner ce passage-là. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. Quand je parle de Jésus-Christ, je suis tout excité. Parce que c'est notre bien-aimé. C'est notre sauveur, c'est notre apôtre, notre roi. Alors, dans Apocalypse 19, à partir du verset 11. Apocalypse 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ok. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs, c'est ce que Deutéronome nous dit aussi. Deutéronome aussi présente Yahweh comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Maintenant, si Yeshua, mes amis, est le roi des rois, et si ce n'est pas lui le Père, parce que le Père aussi est présenté comme le roi, cela veut dire que Yeshua est le roi du Père. Hein? Donc, là, vous voyez bien que c'est quand on dit le roi des rois, c'est-à-dire qu'il est le seul roi qui est au-dessus de tous les autres rois. Donc, c'est la fonction suprême. Mais c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le Tout-Puissant. Allô, bonsoir. Alors, on entend mal. Est-ce qu'on peut, l'équipe technique, bon, nous mettre le retour qui nous ouvre vraiment le royaume de Dieu. J'ai vraiment été secouée par un message que j'avais entendu sur TV de Vie au mois de décembre. Et ça a été vraiment ce message qui m'avait ramené à la repentance et ouvert vraiment ce qui était Dieu, ce qui était ce Dieu que je croyais aimer malgré mon ignorance, que je croyais aimer. Et le fait de savoir qu'il est ce Dieu unique qui a pu, je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'est vraiment la clé pour... pour permettre aux gens qui sont encore dans le système de se dire que stop, arrêtez cette histoire de Trinité. Vos pasteurs ne peuvent absolument pas vous donner aucun message, aucun verset biblique vous démontrant que ce Dieu est trinitaire. Quand je suis partie de l'église où j'étais et que j'ai été voir mon pasteur en lui disant « Mais écoute, donne-moi simplement un verset qui puisse me convaincre que j'ai tort, que ce que le Seigneur a révélé dans mon cœur était une erreur. » Il m'a dit, mais j'ai plein de messages qui peuvent te convaincre. Mais j'ai dit, mais moi je veux simplement un seul message de cette parole qui est dite la parole de Dieu. Donc ils ont même pas, enfin bon, c'est vrai qu'on a baigné dedans, qu'on nous a inculqué ça, mais... ce Dieu unique qui est digne d'être adoré, est digne d'être élevé, est digne de prendre la place qui lui est due
dans la vie de chaque chrétien. Amen. Voilà. C'était tout. Amen. C'est ça. Gloire à Dieu. Merci, ma sœur. Ben, c'est ça qu'il faut proclamer hein, donc, partout, que Yeshua ben, est notre Dieu. Voilà. Donc, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci, ma sœur. Bon courage. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, mes amis là? Tous ces passages qui... Voyez, est-ce que vous voyez l'analogie, la relation qu'il y a entre les prophètes d'avant la grâce et les prophètes de la grâce? Hein, donc les apôtres, tout ça, Paul, Pierre, Jacques et Jean, la relation qu'ils avaient avec Ésaïe, leurs écrits, hein, la concordance de leurs écrits, les écrits de Paul, les écrits de Pierre, les écrits de Jacques et les écrits d'Ésaïe, les écrits de Osée. Regardez par exemple, et, David, on peut nous retrouver ce passage-là, notamment je crois que c'est dans Deutéronome, hein, où il est Yahweh le roi des rois, donc 10-10. Donc on va nous lire ça. Merci mon frère. Et gloire à Dieu. Et 10-17, ouais. Voilà. Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le fort, le grand, le puissant et le redoutable, et qui n'a point de garde à l'apparence des hommes et qui ne prend point de présent. Et qu'est-ce que les pharisiens ont dit du Seigneur, hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit: Seigneur, nous savons que tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Mais c'est lui, Yahweh. Et c'est ce que ici Moïse disait. Et c'est ce que les pharisiens ont confirmé dans Matthieu 22, que tu prêches sans regarder l'apparence des hommes. Mais c'est Jésus-Christ, Yahweh, c'est lui le Père. Et on nous dit qu'il est le Seigneur de seigneurs. Et qu'est-ce que on a lu ça dans Apocalypse là-bas, qui sur sa cuisse, sur sa cuisse est écrit « Roi des rois et Seigneur des... » Mais si Yahweh est le Seigneur de Seigneur, donc si Jésus est le Seigneur de Seigneur, alors que Yahweh, on le dit que c'est lui-même aussi qui est le Seigneur de Seigneur, donc ça veut dire que Yeshua est bel et bien le Seigneur de Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Père. Il ne peut pas y avoir deux êtres qui soient les seigneurs au pluriel des seigneurs. Ça poserait un problème. Alors les trinitaires ont dit, ben, il y a trois personnes, voilà. Non, mais là, ça pose un problème. On va relire encore, avant de répondre au téléphone, Deutéronome 10, 17. Quelqu'un peut nous lire cela? Deutéronome 10, au verset 17. Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le fort, le grand, le puissant et le terrible, qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et qui ne prend point de présent. Ah! Il est le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19. On va relire encore Apocalypse 19. Là où c'est écrit hein, que Yeshua est le Seigneur des seigneurs. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, mes amis. Les trinitaires ne peuvent pas s'asseoir là et dire et donner des passages qui contestent ce que je vous dis là. Parce que c'est clair, c'est évident. C'est évident. Alors, ils ont du mal à comprendre la double nature de ce Dieu, 100% homme et 100% Dieu. Ils ont pris Yeshua homme, ils l'ont divinisé, alors qu'il est en même temps Dieu. Ils ont divinisé le côté humain de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils ont créé une deuxième personne. Voilà. Donc, Apocalypse 19 dit quoi? Apocalypse 19, au verset 16. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots: le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc dites-moi, vous voyez bien que Yahweh est présenté comme le roi des rois, non, le seigneur des seigneurs aussi, et il est présenté, Jésus-Christ est présenté pareillement, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Maintenant, mes amis, les Écritures ne se contredisent pas. On nous présente un Dieu qui est le Dieu de Dieu. Et on nous présente aussi ce même Dieu comme étant le seigneur des seigneurs. Et Paul nous dit qu'au ciel, il y a un seul Seigneur. Mes amis, donc il n'y a pas trois seigneurs sur le trône au ciel quand même. Et l'Esprit de Dieu est aussi présenté comme le Seigneur. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur c'est l'Esprit. Donc comme Dieu est Esprit, il est Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Donc il n'y a pas de complications à avoir, tout ça. Mes amis, les chrétiens ont besoin de connaître leur Dieu. C'est capital.
Satan n'aime pas la divinité de Jésus-Christ. Il ne veut pas que vous compreniez, que vous sachiez, que vous saisissiez que Yeshua, notre Père, notre Seigneur, est le Dieu Tout-Puissant. Il ne veut pas de cela parce qu'il en a peur. Il y a un seul nom qui le fait trembler, c'est le nom de Yeshua. Ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre. Voilà. Maintenant, si vous dites que Yeshua n'est pas le Père, donnez-moi le nom du Père alors. Donnez-moi le nom du Père qui a été révélé dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Parce qu'un Dieu sans nom est un Dieu qui n'existe pas. Voyez ? Ben oui. Si vous me dites Théos, Théos est un titre. Parce que Satan aussi est appelé Théos, c'est-à-dire Dieu. Si vous dites Elohim, Elohim a été aussi utilisé pour parler de Baal, pour parler de Dagon, pour parler de faux dieux. Donc il nous faut un nom. Avant son incarnation, le nom qu'il a révélé, c'est Yahweh. C'est Yahweh. Alors, quel est le nom du Père révélé dans les écrits de Paul, de Pierre, de Jacques? Donnez-moi le nom du Père. Parce que le Père est Dieu, nous sommes d'accord. Maintenant, donnez-moi ce nom. Parce que vous allez invoquer un nom, un Dieu qui n'a pas de nom. Il y a un problème. Eh, mes amis, et on nous dit que son nom est la parole de Dieu. Ben oui, la parole, Dieu est la parole. Dieu est esprit. Voilà, la parole, le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc Dieu est esprit, Dieu est la parole, et Jésus est la parole, mes amis, vivante, la parole incarnée. Donc Jésus est Dieu, mes amis. Voilà. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Allô. Oui. Oui, c'était juste pour apporter quelque chose supplémentaire à ce que vous dites, enfin, ce que tu dis. Quand on parle de la pierre d'achoppement, pour les Hébreux, la pierre, ça se dit Eben. Eben, il y a la racine E, qui est Abba, le Père, et Ben, qui est le Fils. Les Hébreux savent que quand on parle d'une pierre, c'est Eben. La pierre qui était sous Moïse, c'est Eben. Allô ? Gloire à Dieu ? Oui. La pierre qui va sur la statue de Nebuchadnezzar, c'est Eben. Et quand Jésus parle, on sait qu'il parle à des Hébreux et qu'il parle en hébreu. Donc quand il parle de la pierre d'achoppement, quand il parle de voilà, toutes les fois où il parle de pierre, que Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre que je suis, c'est le Père et le Fils. Quand il monte vers Jérusalem et qu'il dit de ces pierres je peux faire des disciples, c'est aussi sans doute le Père et le Fils. Voilà, il est le Père et le Fils. Voilà, c'était juste pour ça. Gloire à Dieu, merci mon frère. Au revoir. Merci beaucoup. Alors ça c'est encore, vous voyez, Dieu est bon, hein? Donc que le Seigneur soit béni. En tout cas, merci mon frère pour ton apport. Et dans Psaume 119, le verset 22, au verset 22, il est dit, « La pierre que les architectes avaient rejetée est devenue la principale de l'angle. Ceci a été fait par Yahweh, c'est une chose merveilleuse à nos yeux. » Voilà, donc mes amis, cette pierre est devenue la principale de l'angle. C'est la pierre angulaire, la pierre d'achoppement dont parle Ésaïe 8. Pierre également en a parlé dans 1 Pierre 2. Paul nous dit que Yeshua est prêché sur la croix, se constitue un scandale pour les Juifs. Voilà. Donc, on ne peut pas se compliquer la vie. C'est tellement simple. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'il faut la révélation. Il faut l'illumination. Donc, nous n'avons pas à nous glorifier de quoi que ce, de cela parce que nous autres aussi hier, on croyait à la Trinité, hein, fortement, parce que on est nés dedans. Voilà. Donc, ce soir, nous avons voulu juste partager avec vous sur Yeshua, le véritable Dieu qui est tout-puissant, hein, le tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui vient, le Dieu qui nous a sauvés, celui que nous devons adorer. Quand Jean est arrivé au ciel, regardez ce qu'il a vu. Il n'a pas vu trois seigneurs sur le trône. Hein. Moi, je préfère croire au témoignage de celui qui a été au ciel et qui en est revenu, plutôt que aux théologiens qui ont été lobotomisés par l'ennemi dans leurs écoles complètement, mes amis, charnels. Bien que dedans, il y a aussi des gens qui sont sincères dans leur démarche. Attention, je ne condamne pas, je ne condamne personne. Il y en a qui sont sincères dans leur démarche et Dieu va aussi les éclairer parce qu'ils sont sincères. Alors, dans Apocalypse 4, on nous dit « Après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. » Alors ça commence bien. Une porte s'ouvre dans le ciel. Alors, dans Jean 10, Yeshua vient, il dit « Je suis la porte.
Voilà. Je suis la porte des brebis. C'est la première porte qui a été restaurée. Il y a des choses. On va parler cette semaine, mais demain, Jésus, mercredi, Jésus, tout le temps. Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. On l'aime. Hein? Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Et Jean voit une porte qui s'ouvre dans le ciel. Il n'y en a pas deux. Hein? Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha. C'est la porte Yeshua. Et on nous dit, et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. La première voix qu'il avait entendue dans Apocalypse 1, c'est Yeshua. Et vous avez vu avec quelle autorité la voix parle ici? Monte ici! Donc pour aller au ciel, tu dois être invité. Ah oui, tu peux grimper sur les chaînes de la religion, tu vas toujours tomber parce qu'à un moment donné, mes amis, la pesanteur, tout ça, la force d'attraction, là, tu reviens sur terre. Voilà. Et aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici un trône. Ça commence bien. Hein? Un trône, pas trois trônes. Un trône était dressé dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un ou trois personnes? Quelqu'un. Oh, même en français, on peut comprendre. Hein, même si on ne parle pas le grec, hein, parce que ça a été écrit en grec. On comprend. On nous dit quelqu'un était assis. Et on n'a pas dit et ceux qui étaient assis. Et celui qui était assis était semblable à trois personnes. Semblable à une pierre de jaspe. Oh, la pierre. Vous voyez la pierre là? La pierre d'achoppement. Ah ben ouais. On nous donne maintenant quelques caractéristiques de cette pierre. Jaspe, sardoine. Et le trône était environné d'un arc semblable à de l'émeraude. Voilà. Ça c'est le témoignage de Jean. Quand Jean est arrivé au ciel, il n'a pas vu trois personnes sur le trône en train de se partager ce trône. Il n'a pas vu trois personnes en train de se battre. Et même dans Apocalypse 22, on nous dit que c'est le trône de l'agneau et de Dieu. En fait, quand Jean arrive, il voit l'agneau assis au milieu. Au milieu. Jean était, il a vu l'agneau au milieu. Mais si maintenant l'agneau n'est pas le Père lui-même, le Dieu Tout-Puissant, ça veut dire que l'agneau était écrasé par le Père, hein, parce qu'il était au milieu. Il y a un problème. Ça poserait un problème. Voilà, donc on a voulu juste ce soir vous dire que Jésus-Christ est notre Dieu, c'est lui que nous aimons. C'est notre Sauveur, Seigneur, Tout-Puissant. Il est tout. Il est tout. Tout. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère Chauvin. Oui. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tous les enseignements que vous nous donnez. Franchement, ça nous fortifie, ça nous motive beaucoup plus. Et surtout, nous qui sommes encore, quand je dis nous sommes encore nouvelles dans la foi. En fait, je voudrais partager quelque chose. En fait, aujourd'hui, j'ai rencontré une personne vraiment qui vous a tellement saboté, ne sachant pas que je vous connaissais bien. Donc, j'essayais d'évangéliser cette personne et je lui ai un peu donné mon témoignage, comment le Seigneur m'a touché et pour que j'aille dire la vérité aux autorités belges. Et depuis cet instant, le Seigneur me conduit. Et comment est-ce que je vous ai connu? C'est le Seigneur qui m'a montré en songe là où je devrais aller prendre mon baptême. Et je bénis Dieu parce que vous êtes vraiment appelé de Dieu parce que le Seigneur vous a touché pour que vous me donniez le numéro de bien-aimés ici pour que je commence à partager avec eux. Et vous, quand vous les hommes viennent vers vous, vous leur dites la vérité d'aller vers le Seigneur et non vers vous. Alors, j'ai essayé de partager de la parole de Dieu par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie et tout et tout. Et ne sachant pas que le monsieur était un pasteur, donc je partageais la parole à un pasteur. Et le pasteur, là, vous a tellement saboté en disant que vous êtes là, vous êtes en train de détruire les âmes par rapport à l'histoire des dignes. Mais je lui ai fait comprendre que, mais, quand vous focalisez pourquoi est-ce que ça vous gêne tellement au point où quand le frère parle en fonction de la parole de Dieu. Il ne parle pas au contexte de la parole. Et pourquoi est-ce que vous, les pasteurs, vous vous focalisez toujours par rapport aux dîmes? Quand le Seigneur confie son œuvre à quelqu'un, il assume. Parce qu'il a confié l'œuvre à son fils, à ses serviteurs, en fait. Nous sommes appelés à ramener les âmes vers Christ. Nous ne sommes pas appelés à dépouiller les âmes de Dieu. Alors, le pasteur était tellement troublé au point où il dit, oui, il est vrai, vous dites la vérité, mais il est plus puissant que vous.
J'ai dit, ah bon? Bon, je n'ai pas voulu entrer dans les détails, mais moi, je lui ai dit, la parole que je lui ai dit, c'est que je lui ai fait comprendre que nul ne pourra me séparer de Christ, parce que j'ai pris l'engagement, et j'ai pris l'engagement avec Jésus, et j'assume mon engagement. Et là où je suis allée, j'ai goûté à l'amour de Christ. Le Seigneur m'a fait révéler puissamment à moi en pleine cuisine. Je suis accrochée à lui, et je ne pense pas qu'un être humain pourra me sortir de la voie du Père. C'est vrai, il est difficile de vivre les combats, mais je vais assumer parce que ce que j'ai goûté, ce n'est ça ne vient pas de l'homme. En fait, je bénis Dieu vraiment pour vous. Je bénis tellement Dieu parce que le Seigneur est vivant. Il se révèle et il montre à ses enfants qui est de lui et qui n'est pas de lui. Amen. Vraiment, frère Chora, accrochez-vous. Malgré tout ce que les hommes vont dire, malgré tout ce que, je ne sais pas, tout ce que ces pasteurs et autres diront, vous accrochez-vous juste au Seigneur. Le Seigneur est avec vous et il sera avec votre famille. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci, ma soeur, que Dieu soit béni. Soyez béni. Merci. Et le Seigneur a dit, hein, vous savez, y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, là. Et c'est vraiment magnifique ce que le Seigneur fait. On va prendre encore d'autres passages, par exemple, dans Ésaïe, chapitre 43, le verset 10. Quelqu'un peut nous le lire rapidement, là ? Ésaïe 43, 10. Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit Yahweh. Oh ! Vous êtes mes témoins. Témoins, dit Yahweh. On peut s'arrêter juste là. Yahweh dit aux enfants d'Israël, vous êtes mes témoins. Bon, ben, ok. Ok. On va quelque part. Acte 1. Verset 6. Et 7. On va aller jusqu'au verset 8 même. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez... » Les témoins de Yahweh. Il dit mes témoins. Mais en fait, c'est Yahweh qui parle comme ça. Moi, je ne peux pas dire que vous allez être mes témoins. Attends, je suis qui? Alléluia. Vous serez mes témoins. Mes témoins. Yahweh a dit aux enfants d'Israël dans Ésaïe 43, 10, vous serez mes témoins. Jésus vient, il dit, vous serez mes témoins. Mes amis. Mes amis. Et c'est clair. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Ça aurait été pour donner un témoignage parce que j'avais posé une question à Dieu pour savoir j'avais dit, Seigneur, explique-moi, parce qu'on m'a enseigné la Trinité quand j'étais toute petite, tout ça, mais j'avais jamais rien compris. Alors j'ai dit, Seigneur, explique-moi toi-même, parce que je vais à TV de vie, tout ça, c'est la première fois que j'y vais, tout ça, on me dit ça, c'est vrai que ça a l'air vrai, tout ça. Mais je veux que ce soit toi qui m'explique toi-même. Je veux une empreinte dans mon cœur, tout ça. Et donc, je voulais expliquer comment Dieu m'avait expliqué. Donc, en fait, j'ai demandé au Seigneur qu'il m'explique tout ça. Et puis, il me dit, bon, bah alors, tu crois que je suis le plus grand amour? Tu crois que je suis l'amour parfait? Alors, je dis, oui, Seigneur, je crois que t'es le plus grand amour, que t'es l'amour parfait. Parce qu'en fait, Dieu s'était révélé à moi comme amour. Et là, je me suis dit, oui, Seigneur, je crois que t'es le plus grand amour. Et il me dit, mais toi, alors, t'es quoi? Enfin, c'est quoi ton amour? Alors, je dis, mais moi, Seigneur, moi, j'ai peu d'amour. Je suis humaine, j'ai un petit cœur par rapport à toi. J'ai presque pas d'amour dans mon cœur. Et il me dit, est-ce que si toi, t'aurais eu un enfant, est-ce que tu l'aurais donné à la croix? Et en fait, il a pu me faire réaliser. J'ai dit, non, Seigneur, j'aurais pas pu. J'aurais aimé mon enfant et j'aurais pas pu. Et là, il me dit, mais alors moi, qui ai un plus grand amour que toi, parce que t'es humaine, comment j'aurais pu donner mon fils? Je me suis donné moi-même. Et là, je me suis dit, ah, Seigneur. Et c'est là comme ça que j'ai compris, en fait, parce que c'était par son amour, et que c'était vraiment un amour, mais puissant. Et en fait, par sa révélation en même temps de ça, en fait, ça m'a montré encore l'amour du Père, comme il était plus grand, en fait, de ce qu'on m'avait expliqué, en fait. C'était vraiment une révélation.
de son amour. Et donc, je voulais témoigner de ça parce que je trouve que c'est comment il me l'a expliqué, c'était vraiment bien expliqué, quoi. C'est voilà, quoi. Le Seigneur, c'est en fait, effectivement, parce que on va, si c'est pas lui-même qui est venu comme fils, ça voudrait dire que Dieu est méchant parce que il va faire laisser quelqu'un d'autre faire le sale boulot à sa place, hein. Alors que Pierre nous dit, Paul nous dit justement que Dieu s'est fait chair. C'est ça qui est terrible. Et il est devenu homme, 100% homme, fils. Donc, il y en a qui diraient, mais oui, mais il y a un passage qui dit que Dieu a donné son fils. Bah oui. Mais en fait, il y a un autre passage qui dit que Dieu lui-même est venu. Emmanuel, d'ailleurs, Emmanuel. Dieu avec nous. Donc, c'est lui-même, parce qu'il n'y avait personne d'autre qui était capable de nous sauver. D'ailleurs, Paul dit quoi ? Que l'Église a été rachetée par le sang de Dieu. Voilà. Donc, Actes chapitre 20, verset 28. Donc, que Dieu soit béni, ma sœur. Bonne continuation. Et aussi, parce que là, je me suis éloignée, mais je voulais vous donner un passage que vous pourriez lire à TV de vie. C'est Romains 9, 5, qui dit vraiment que Jésus est Dieu. Donc, amen. Voilà. Un passage qui a été traduit, mal traduit dans beaucoup de versions, volontairement pour diminuer, amoindrir la divinité de Yeshua, effectivement. Et c'est vrai que dans la BJC, c'est vraiment bien traduit, parce que dans les autres versions, c'est souvent les virgules, tout ça. Mais quand, c'est vrai que la BJC, la traduction que Dieu a permis qu'il soit faite par sa grâce, et ben, en fait, on est vraiment mieux enseigné par son esprit. C'est vraiment lui qui a conduit. Et c'est vrai que ce passage, il dit vraiment, et il affirme. Et c'est ce que Dieu veut, quoi. Amen. C'est lui, c'est comme ça. Alléluia, c'est lui, c'est ça. Christ qui est Dieu, au-dessus de toutes choses, béni. Amen. Éternellement. Amen. Donc, effectivement, gloire à Dieu. Bah, au revoir. Merci. Voilà. Donc, Lamartin aussi a traduit comme ça, l'Osterwald aussi. Et mais beaucoup de versions, malheureusement, essayent un peu de, voilà, d'amoindrir la divinité de Yeshua. Donc, Yeshua est Dieu. Donc, la parole est claire. Et voilà. Donc, étant donné qu'il y a un seul Dieu, la parole le dit. De Genèse à Apocalypse, les Écritures nous disent qu'il y a un seul Dieu. Voilà. Donc, Paul le dit dans Éphésiens 4. Il dit qu'il y a un seul Dieu. Donc, on va le prendre, hein. Moi, je préfère croire l'enseignement des apôtres, hein, croire aux enseignements des apôtres, croire les apôtres qui ont vécu avec le Seigneur, et plutôt que les pères de l'Église qui sont venus et qui ont dit, ben non, mais vous savez, voilà la révélation, voilà l'interprétation de ce que Paul a dit, tout ça. Ah non, mes amis. Éphésiens 4 dit quoi ? Et à partir du verset 1er, je vous prie donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres de la charité, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps. On sait, on est tous d'accord, hein ? Il n'y a pas deux corps de Christ, hein ? Un seul corps. Voilà. Il y a un seul esprit. Donc, par rapport à Dieu, bien sûr, parce qu'il y a l'esprit de l'erreur aussi. Donc, ça, c'est un autre esprit. Mais l'esprit de vérité, il n'y en a qu'un. Et Paul le dit. Et il continue, dit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il n'y a pas deux espérances, il n'y en a qu'une. L'espérance par rapport à la vie éternelle. Voilà, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Il y a un seul Seigneur. Attendez. Et Paul dit qu'il y a un seul Seigneur. Et on nous dit qu'il est le Yahweh est le Seigneur des Seigneurs. C'est-à-dire, le Seigneur des Seigneurs, ça veut dire quoi ? Donc, il y a d'autres Seigneurs qui ne le sont pas, véritablement. Les hommes, on les appelle aussi Seigneurs. Satan aussi, on l'appelle Seigneur. N'est-ce pas ? Les démons aussi. Mais il y a un seul et véritable Seigneur, et c'est Yahweh. Et on nous dit que Yeshua, c'est lui, le Seigneur des Seigneurs. Donc, il est Yahweh. Et Paul continue, il dit, il y a un seul, une seule foi pour être sauvé. Donc, il y a une seule foi, la foi dans l'œuvre, mettre sa foi en Yeshua, dans l'œuvre de la croix. Et un seul baptême, le baptême qui nous intègre dans le corps de Christ, bien sûr. C'est le baptême de l'Esprit. Et il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de. Oh. Et Paul dit quoi dans Romains 5 là-bas 8, 9, 5. Christ qui est Dieu au-dessus de toutes choses, mes amis. Et il confirme ici qu'il y a un seul Dieu qui est Dieu et Père. Il y a un seul Dieu et Père qui est au-dessus de tous. Et Paul dit, le même Paul dit que Christ est Dieu et au-dessus de tous. Mais attendez. Parmi tous et en vous tous. Voilà.
J'aime bien Éphésiens 4 là. Vous voyez, à chaque fois, il y a un seul, un seul, un seul. Donc, et les trinitaires sont venus. Il y a trois personnes, il y a trois personnes, il y a trois personnes co-créatrices, je ne sais pas quoi, à chaque fois, il y a co. Mais attendez, mais co-directeur, co-ceci, co-cela. Mais ça sort d'où les co là, mes amis? C'est dans quelle Bible tout ça là, les co, machin, tout ça là? Alors, tri, unité, parce que le mot trinité choque certains. On va dire tri, unité. C'est comme ce produit de vaisselle, tout ça. Trois en un. C'est oh, yo. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère et soeur. Bonsoir. C'est juste pour rajouter justement par rapport à la divinité de Jésus. C'est un sujet très intéressant. Donc, dans Isaïe 42, 8, il dit, je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, surtout sur ce mot-là, je donnerai pas ma gloire à un autre. Aha. Donc, si on y va dans Matthieu 16, 27, on va voir que Jésus, il dit que, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Donc là, ça confirme que Jésus, il est Dieu. Amen. Il est venu en tant que fils. Et il dit qu'il doit revenir dans la gloire du Père. Et quand on voit dans Isaïe 42, 8, il dit que je donnerai pas ma gloire à un autre. Donc si Jésus, il n'est pas le Père, ça pose un problème. Effectivement. Ça veut dire que voilà. Quelqu'un est venu voler la gloire du Père. Voilà. Alors que le Père, il a dit que je donnerai pas ma gloire à un autre. Mmh. Donc voilà, que tout le Seigneur soit fortifié et merci. Choukrat, Seigneur. Choukrat, mon frère, on a de Yeshua qui veut dire merci en arabe. Hein. Voilà. Choukran. Choukran, voilà. Ok, Choukran, c'est ça, non? Ok, gloire à Dieu. Merci, là, ça c'est bien ce que le frère a dit. Là, c'est, effectivement, Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà, et on a vu Jésus-Christ être adoré, les apôtres l'ont adoré, tout ça. Et nous sommes dans Isaïe 43, le verset 11. Moi, je suis Yahweh, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Waouh. Mais Dieu a dit au 8e siècle avant Jésus-Christ qu'à part Yahweh, il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Allons voir ce que Pierre a dit. J'aime bien les enseignements des apôtres. Je préfère écouter les apôtres que mes amis, nos bishops d'aujourd'hui, que les pères de l'Église. Acte 4, 12. On connaît ce passage-là, n'est-ce pas? Yahweh a dit qu'à part lui, il n'y a pas d'autre sauveur. Voilà. Donc allons voir ce que Pierre a dit, ce qu'il a reçu de Dieu. Verset 11. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun. Aha. Il n'y a de salut en aucun autre. Littéralement, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas d'autre sauveur qu'un seul. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être. Voilà. C'est clair, hein? C'est clair, mes amis. Voilà. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je vous suis depuis la Martinique et le message m'a touché en fait parce que Dieu s'est révélé à moi en tant que père et je suis une ancienne musulmane et j'ai connu Jésus dans une église pentecôtiste et le Dieu trinitaire n'a rien fait pour moi. Et quand je priais, je ne savais pas si je devais prier Jésus, si je devais prier le Père, si je devais prier le Saint-Esprit. Donc ce que je faisais, c'est que je priais un jour le Père. Allô? Oui, allô? Ouais, on est là. Je priais un jour le Père, un jour le Saint-Esprit, un jour Jésus, j'essayais de partager en fait. Pour ne pas les frustrer. Allô? Pour ne pas les frustrer. Voilà, et on peut dire ça comme ça, donc j'arrivais pas à faire la part des choses et je comprenais pas et il y avait personne pour m'aider en fait. Et je suis tombée sur le message dans une assemblée à Melun qui me parlait de la Trinité, j'ai tapé ça sur YouTube. J'ai trouvé qu'une seule personne qui disait que la Trinité, c'est une fausse doctrine.
Donc j'ai commencé à écouter les messages et je vois que cette personne-là parle de la dîme et je me suis dit, mais quel est cet homme qui est fou, qui va jusque en Afrique, qui fait le tour du monde pour dire que la dîme n'est pas de Dieu, pour dire que la dîme n'est plus d'actualité, pour dire que la Trinité, c'est pas Dieu et que Dieu est un. Et j'ai commencé à suivre les messages et ça m'a libéré, ça m'a libéré, ça m'a libéré. Aujourd'hui, je suis Dieu, je prie Dieu qui est un. Moi et ma famille, nous suivons Dieu. Il nous libère, il nous guérit. Et vraiment, j'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu qui est un, qui a fait tout ce que ce Dieu qui était trinitaire ne pouvait pas faire pour moi. C'est ce que je voulais partager. Bonne continuation, ma sœur. Et un jour, un scribe pose la question au Seigneur, quel est le plus grand de tous les commandements? Dans Marc 12, Yeshua au verset 28 dit, Shema Israël, écoute Israël, Yahweh, Adonai, Yahweh, Ehad, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Donc ça c'est l'enseignement de Yeshua, Yahweh est un. Il a dit le Seigneur Jésus-Christ, moi je préfère suivre Jésus-Christ, suivre ce que les apôtres ont dit de sa part, plutôt que de suivre les enseignements des hommes. Même si, c'est qu'aujourd'hui, parler de dénoncer la Trinité, dire qu'il y a un seul Dieu, Dieu est un et non trois en un, en une personne, c'est courir le risque d'être taxé de secte, d'égaré, d'illuminé. Pourtant, le fondement sur lequel leurs assemblées bâtissent, c'est-à-dire la Trinité, n'a aucun fondement, n'a aucun... Déjà, le mot même Trinité n'est pas biblique. Là, ils me diront, ben oui, mais il y a d'autres noms, mots qui ne sont pas bibliques que nous utilisons. Ok, mes frères, écoutez, c'est simple. De la bouche de Yeshua, Jésus de sa bouche dit que Dieu est un. Paul de sa bouche, il dit Jésus est Dieu est un, qu'il y a un seul Dieu. Écoutez, et que Dieu soit béni. Bonne continuation. Je crois que nous avons quelqu'un d'autre en ligne ce soir. Et pour les frères et sœurs des Antilles, on sera aux Antilles en septembre, si tout va bien. Voilà, gloire à Dieu. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Je vois que ce soir, il y a eu beaucoup de réactions. Parce qu'effectivement, c'est un enseignement qui aide, qui nous encourage. Et voilà, donc on va continuer encore demain. Que Dieu soit béni, bonne continuation, que Dieu vous garde. Bon Dieu bénisse vous tous qui nous suivez depuis l'île de la Réunion, la Martinique, l'île Maurice, de toutes les îles. Donc nous pensons à vous dans nos prières. Soyez bénis, fortifiés, au nom de Yeshua. À demain, au revoir.